Vous êtes sur RTL. 7h13. Isabelle Saporta. C'est comme ça. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous voulez revenir ce matin sur une enquête de nos confrères du Monde sur la voiture autonome qui semble-t-il, comment dirais-je, patine un peu. Ah ben là Yves, on va se dire franchement les choses. Ce n'est pas qu'elle patine la voiture autonome, c'est qu'elle a carrément stoppé net. Déjà, c'est hyper cher. Une voiture autonome, c'est entre 20 000 et 100 000 euros de plus qu'une voiture lambda. Comme dirait Carlos Tavares, le président de PSA, à ce prix-là, celui qui peut se la payer plutôt sur la banquette arrière que derrière son volant, bref, le monsieur où la dame a largement les moyens de s'offrir un chauffeur en chair et en os. En plus, l'intelligence artificielle censée piloter pour nous et gérer le degré de danger auquel nous sommes confrontés n'est franchement pas au point. Vous savez, ce sont ces fameux dilemmes moraux étudiés par les équipes de scientifiques. En cas de danger, qui l'algorithme préfère sacrifier? Le chien? La personne âgée? Le SDF? Les résultats font juste froid dans le dos. On est à deux doigts de l'eugénisme en mode bagnole. Oui. D'ailleurs, l'an passé, il y a eu la mort de cette femme de 49 ans en Arizona, fauchée par une voiture autonome. Autant vous dire qu'à l'idée de devoir gérer un nouveau drame, les grands constructeurs se sont tous mis debout sur les freins et ont remballé aussi sec leur voiture autonome. Alors, on entend les craintes des constructeurs, j'entends le surcoût de cette technologie que cette technologie entraîne. Il n'empêche, ces voitures, c'est l'avenir et sortir sciemment de cette course, ça paraît un peu absurde, non? Vous voulez dire, Yves, que les constructeurs automobiles souffriraient tous du terrible syndrome du Minitel? Vous savez, celui qui avait si durement frappé les élites françaises qui refusaient de se lancer dans les ordinateurs, l'informatique et Internet parce que décidément... c'était beaucoup de complications, alors que notre bon vieux Minitel, il allait tenir la route. Bah Yves, je crois que vous avez raison, parce que la voiture autonome, on ne sait pas encore quelle forme elle prendra, ni quel sera le modèle économique, mais une chose est certaine, c'est qu'à plus ou moins long terme, on va tous y aller. Et d'ailleurs, il y en a un qui ne s'y trompe pas, c'est Google, qui lui fait rouler 600 voitures sans chauffeur par jour pour parfaire ses algorithmes. Vous la voyez venir la suite, Yves? Ah oui. Voilà. Demain, Google maîtrisera seul cette technologie, et après-demain, vous savez ce qui va se passer? Il va nous payer nos véhicules des cacahuètes et nous vendre le cerveau de la voiture pour une fortune aussi. Si on ne veut pas se faire distancer, encore une fois, faudrait s'y remettre, fissa. C'est comme ça. Moi, j'aimais bien le Minitel. Isabelle Saporta.